Grand-père travaillait à Fougibeau, à l'usine à plomb. Il avait attrapé le saturnisme. Il ne pouvait plus marcher. Il avait une cinquantaine. On l'emmenait dans une brouette, dans les prés en face. Il pouvait encore se mettre debout pour faucher, payer ses médicaments. J'ai vu la différence dans une vie d'homme, ce que ça pouvait être la vie d'auparavant, puis maintenant. Roger Tual a 96 ans. Il est né à Couëron et y a toujours vécu. Sculpteur et peintre, résistant pendant la guerre, engagé politiquement, deux fois conseiller municipal, membre fondateur du Conseil des Sages, il nous a reçus l'été dernier dans sa maison de Port-Launay. L'existence est un but pour les individus, c'est de s'enrichir mentalement, surtout mentalement, pour vivre en communauté. Il y a tellement de choses à faire. Organiser la société, organiser entre voisins, organiser entre villages. Il y a énormément à faire. Si nous avons désiré rencontrer cet homme aux fortes convictions, c'est qu'il nous a semblé que ses paroles pouvaient éclairer et donner du sens aux images tournées cette année à Couëron, au fil des événements et de la vie des quartiers. La fête du quartier qui existe depuis 21 ans, c'est la fête du centre Henri Normand, du centre socioculturel, qui a été créée par les habitants. Hein. Ce sont les habitants qui ont souhaité faire une fête sur le quartier. Ce qu'on souhaite, nous, c'est que cet habitant de Couëron, là on est à Chabasquière, devienne après citoyen de sa commune. Mais la Chapelle, c'est un quartier à part entière, la ville de Couëron, avec tous ses codes, cette pratique. Mais je vous dis, ce qui compte là-dedans, c'est que l'habitant qui vient, son Couëron, après s'intéresse à cette ville et devienne un citoyen à part entière. Un ensemble, il y a des quartiers, il y a différentes fêtes dans différents quartiers, et c'est comme ça, mais on est Couëron, voilà. Du terrain synthétique. La mairie nous a doté d'un superbe ensemble et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on l'attend. Ça nous permet aussi de bonifier notre travail de formation au sein du club puisqu'on a tous les labels, label qualité, football d'animation et également club formateur. Et par la même occasion, nous fêtons nos 80 ans puisque le FC Chabossière a 80 ans, créé en 1934 par des immigrés espagnols qui ont fui le franquisme et qui sont venus travailler en tant que main-d'œuvre étrangère aux anciennes forges de bassin, actuellement ArcelorMittal. On a eu l'occasion de créer un groupement de commandes avec la ville de Rosay pour
mutualiser à la fois les savoir-faire et les coûts. Dans le contexte budgétaire actuel, la mutualisation, c'est l'avenir pour les collectivités. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos électeurs, vis-à-vis de nos citoyens. C'est pour ça que nous devons être responsables dans nos achats, dans nos commandes et maîtriser ainsi le budget de manière sobre et rigoureuse. Un travail collectif dans la réflexion de tous les élus. Il est utilisé en gros entre 40 et 50 heures semaine. Il est prévu pour une capacité de 60 à 70. Bon, ça répond exactement à la demande des éducateurs de la Chabossière. Les jeunes sont satisfaits, vous voyez, c'est un bel outil. La vie, c'est pas un accident, c'est un don. Ça nous est donné de vivre quelque chose d'essentiel. Ben, faut-il le partager, puis le se sentir en soi participant de cette aventure. Oui. Ah ben oui, parce que c'est une aventure extraordinaire, la vie d'un homme. Si on la met pas en exergue, si on la réfléchit pas, ça n'a plus d'intérêt. Hein? Pas aucun intérêt. Elle est superbe parce que l'architecture est magnifique. Spacieuse, agréable, très moderne, très belle. Moi personnellement, j'aime pas lire. Et quand je vois ça, ça me donne envie parce qu'ils proposent beaucoup de choix. Des livres pour ados, des revues. Ouais. Je pense que ça peut inciter les jeunes à lire. Mais ça nous manquait. Hein. Ça faisait 6 mois qu'on attendait la réouverture de la médiathèque. Donc là, on est content. C'est grand, c'est aéré, c'est convivial. Il y a des espaces pour s'asseoir, s'installer, pour étudier aussi. Donc, très bien. La salle est sympa pour travailler. Il n'y a pas de bruit, c'est calme. Et puis, ça donne envie de travailler, en fait. Très satisfaite du rayon enfant. Où il y a vraiment beaucoup de livres et voilà, ça a l'air très sympathique. Je pense vraiment que ça va être un atout culturel pour nos enfants. Ça semble très divers au niveau des contenus et puis le fait que ça soit une médiathèque non plus une bibliothèque, à l'heure du numérique, c'est très intéressant. Moi, en tant qu'assistante maternelle, c'est un support qui est important pour moi. Donc, Bah, elle est bien, ça change d'ancienne parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour s'asseoir. Si vous avez quelque chose individuellement qui vous enrichit, vous allez forcément enrichir vos voisins, votre famille. Et puis, de fil en aiguille, c'est la société qui s'enrichit. Effectivement, après le cross, on peut remarquer que l'ambiance a changé. On a du soleil, on a de l'herbe qui commence à jaunir.
c'est vrai que ce sont deux visages complètement différents de ce plateau naturel aux portes de Nantes. Le village est toujours investi sur tout ce qui se passe au niveau de son village, et notamment au niveau de l'athlétisme, parce que ça, c'est une des grosses manifestations de Couëron. C'est une des plus grosses manifestations de Couëron qui a lieu tous les ans. C'est simple et compliqué, la solidarité. C'est un lien ténu, c'est un brin de paille, c'est pas grand-chose. Le village, c'est, ouais, c'est notre vie, quoi. C'est... Quand je parle de mon voisin, c'est mon ami. Je vais aller voir mon voisin, mais en fait, je vais aller voir mon ami. Mais tu le dis pas comme ça. Tu dis, je vais voir mon voisin, je vais voir Paul. Engagement, entraide, solidarité, si le fil de ces valeurs est aussi ténu qu'un brin de paille, raison de plus pour apprendre à le repérer et à ne pas le perdre.